Salut Ami Rider! Petit point actualité sur les nouveautés venues et à venir dans l'univers du MX virtuel. Commençons par les jeux déjà sortis. Au niveau de MX vs ATV Reflex, après les custom tracks, Mototank nous dévoile ses dernières créations, les premiers kits déco personnalisés. Le skin Lucas Yule pour la Blaze 450F, la JGB Yamaha pour la Shima 450F, ainsi que le kit déco Rockstar Suzuki pour la Takashi 450F que vous voyez défiler à l'écran actuellement. Shulboy a lui de son côté travaillé sur l'ajout du Neck Brace Alpine Star édition Red Bull. Enfin, Grandi a lui ajouté les tenues Seven, mais malheureusement je ne pense pas que le Neck Brace et les tenues soient compatibles pour le moment, ou du moins je n'ai pas réussi à mettre les deux en même temps, il faudra donc faire un choix et pour moi ce sera le Neck Brace. On peut donc espérer l'arrivée d'autres kits déco et skins 2014 voire 2015 dans le jeu afin d'amener un peu de fraîcheur en plus des tracks qui ont vraiment fait du bien, mais là avoir des nouvelles tenues ça fera encore plus de bien et combler enfin le truc que cause le manque de licence officielle dans le jeu. Pour ce qui est de Live, le dernier MX vs ATV en date, après le rachat des licences par Nordic Game, le moto dépôt, en gros c'était l'endroit où on pouvait acheter les nouvelles motos et les nouveaux circuits, avait été fermé sur PS3 ainsi que sur Xbox 360 et rouvert seulement sur PS3 peu de temps après. Il manquait donc celui de Xbox 360. C'est chose corrigée avec la réouverture du moto dépôt pour les consoles de chez Microsoft. Finissons sur les jeux déjà sortis avec MXGP The Official Motocross Video Game de son nom complet. Une sortie d'une version remasterisée en Ultra HD a été annoncée pour les consoles next-gen de chez Sony. En effet, Milestone a amélioré les graphismes et la modélisation du jeu afin de le rendre disponible sur PS4 et de donner une raison de l'acheter sur next-gen. Ils ont aussi ajouté les 4 tracks manquants à la saison 2013, Arco di Trento en Italie, Sevlievo dans la Bulgarie, Loké en République Tchèque ainsi que l'Europe en Europe. La plaque rouge sera aussi disponible dans le mode carrière sur cette version, ainsi que des courses avec un plus grand nombre de pilotes. Ce nombre n'a pas été communiqué et je pense qu'il tournera vers les 24. Aucune date n'a été annoncée pour le moment pour cette version next-gen. Malheureusement, un DLC mettant à niveau la version PC est très peu envisageable connaissant la politique du développement de chez Milestone. Passons aux jeux qui sortiront d'ici plus ou moins longtemps. Pour ce qui est de MX vs ATV Supercross, pour rester dans l'ordre chronologique des sorties, sa date de sortie justement a été annoncée officiellement pour le 9 septembre 2014, donc d'ici un bon mois. Pour nous faire patienter, quelques gameplays ont été diffusés, mais rien de bien croustillant à se mettre sous la dent, car ce sont toujours des joueurs inexpérimentés qui y jouent, donc impossible de se faire un avis sur la physique du jeu lorsque le gameplay que l'on a sous les yeux est vraiment pas bon. De mon côté, j'attends vraiment de mettre la main sur le jeu pour me faire un avis. Bien entendu, vous serez à mes côtés pour mes premières courses. Finissons ce point actualité avec MX Bike, toujours en développement par Pibosso. La pré-alpha avait été annoncée mi-avril, puis repoussé et enfin annulé par Pibosso. Après un petit moment sans information de sa part sur le forum, il nous annonce que le jeu est fini à 90%, mais aussi que les 10% restants mettront autant de temps à se développer que les 90% passés. Donc une sortie courant fin 2014 peut être envisageable, même si les dates prévisionnelles chez Pibosso ne sont pas son point fort, ce qui est compréhensible lorsqu'on a une petite équipe pour développer un jeu de cette ampleur. En gros, ça a pas mal bougé pour pratiquement tous les jeux de MX disponibles et qui seront bientôt disponibles, comme quoi 2014 c'est vraiment une grosse année pour nous les riders virtuels fans de MX. A plus tard pour une nouvelle vidéo, c'était MXY Gamer, ride in peace.